Le cinéma, le septième art comme l'on le désigne, n'a plus droit de citer dans une salle depuis plusieurs années au Bénin. Ciné Concorde, le Bénin, Okpeoloa sont devenus des lieux de culte et de spectacle. Le cinéma en salle, malgré la révolution numérique, a toujours sa raison d'être, nous dira Laurine, rencontrée devant le Ciné Concorde. Au Bénin, les salles de cinéma, je n'en connais vraiment pas beaucoup. Justement, la seule que je connais, c'est celle-ci qui est là. Et elle ne fonctionne pas depuis un bon moment. Au Ghana, tout près, le cinéma marche très bien. Les gens y vont, c'est agréable, c'est vraiment intéressant. Donc, si le cinéma pouvait être remis sur pied, moi personnellement, je trouve que ce serait une bonne chose. Les autorités du Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin sont-elles conscientes de ce qu'est devenu nos salles de cinéma? Yance Yetienou. Depuis un bon moment, les salles ont cessé d'être des lieux de culte. C'est plus des lieux où des prières s'adressent à Dieu. Et désormais, ça va être des lieux d'émotion forte par l'image et le son. Ça va être des lieux de rencontre où peut-être les premiers amours vont naître. Est-il possible que le cinéma en salle renaisse de ses cendres pour que revive l'émotion dans le noir? Ailleurs, il y a eu la révolution numérique. Mais pourtant, les salles de télé ont subsisté. Et nous nous disons que ces salles peuvent subsister, non pas subsister chez nous, mais on peut reprendre avec cette activité, avec cette distraction-là. Bientôt, et nous comptons redonner aux Béninois l'habitude d'aller en salle. Ailleurs, les gens n'ont pas abandonné, ils ont leur télé, mais ils continuent d'aller au cinéma. Le Centre national du cinéma et de l'image animée du Bénin aura-t-il les moyens de ses ambitions, le directeur général? Et parlant de moyens, il n'y aura pas que les moyens de l'État. La chose est déjà ouverte aux privés qui s'y intéressent et déjà les gens se bousculent pour le faire. Je pense que ce sera fait et les Béninois reprendront l'habitude d'aller en salle parce que c'est important pour notre cinéma. C'est important pour l'industrie cinématographique vers laquelle nous tendons. Une industrie assez forte pour prouver que le cinéma est capable de donner à manger à son homme. Le cinéma étant une industrie en bonne et due forme et va contribuer au développement. En attendant que l'industrie cinématographique ne reprenne son envol au Bénin, la devanture du Ciné Concorde, par exemple, continuera de servir de reposoir. Bien malin qui dira combien de temps cela durera encore.